si nous devons répondre rapidement à la question « Qu'est-ce que la septante ?» voici comment nous pourrions résumer une telle réponse en quelques phrases. Tout d'abord, la septante est la première et la principale traduction grecque de la Bible hébraïque qui a été réalisée par des traducteurs juifs entre la première moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ et le début du 12e siècle de notre ère. Dans le christianisme, elle a été utilisée par les auteurs du Nouveau Testament pour citer le texte de l'Ancien Testament. Les pères de l'Église l'ont lu et commenté. Lorsqu'en Occident, la Septante a été remplacée par la Vulgate, elle a continué à être le texte biblique de référence dans le monde orthodoxe d'Orient. Au fil de ma présentation, j'aimerais vous permettre de mieux comprendre l'importance de la Septante en tant que première source du christianisme et également comme référence incontournable dans l'étude du texte biblique. Pour ceci, ma présentation s'articulera autour de quatre points principaux. Le milieu d'origine de cette première traduction de la Bible, les motifs qui ont présidé à la réalisation de cette traduction, jusqu'à quelle époque la Septante a été utilisée dans le judaïsme, et enfin, les principales caractéristiques de cette traduction. Commençons donc par découvrir le milieu d'origine de cette première traduction de la Bible. Une légende juive, transmise par Flavius Josèphe, décrit une visite d'Alexandre le Grand à Jérusalem pendant sa marche vers l'Égypte à travers la Syrie-Palestine en 332 avant Jésus-Christ. Le grand prêtre Yadus vient à sa rencontre à la porte de la ville sainte. Alexandre s'agenouille devant lui, puis il monte au temple et offre un sacrifice à Dieu, suivant les instructions du grand prêtre. Avant de continuer sa marche, il confirme au profit des Juifs le droit de vivre selon leur loi ancestrale, c'est-à-dire la Torah de Moïse. Quelques-uns des Juifs rejoignent son armée et le suivent en Égypte, en se retrouvant parmi les premiers habitants de la cité qui avait fondé au début de l'année 331, la fameuse Alexandrie. Hormis cette légende, on sait que l'implantation des premières colonies juives en Égypte est bien antérieure à la conquête macédonienne. Elle remonte à l'époque de la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Néanmoins, l'immigration juive se développe et connaît une vie nouvelle à l'arrivée d'Alexandre en Égypte. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les Juifs installés en particulier dans le quartier Delta, l'un des 100 quartiers de la ville, était au nombre d'environ 180 000 individus, c'est-à-dire un tiers de l'ensemble des habitants de la capitale. C'est ici, à Alexandrie, que commença la traduction de la Septante. Il a sans doute fallu cette étonnante rencontre des cultures et le développement intellectuel sans équivalent de cette ville pour que la Bible hébraïque s'ouvre au monde à travers la koiné, c'est-à-dire la langue grecque commune parlée depuis l'Égypte jusqu'aux frontières de l'Inde. Passons maintenant au deuxième point de ma présentation et essayons de comprendre quels sont les motifs qui ont présidé à la réalisation de cette traduction. La Septante a sa propre légende dans la fameuse lettre d'Aristée à Philocrate, qui lui a donné son nom et qui raconte avec éloge et enthousiasme la naissance miraculeuse
de cette première traduction. On raconte ses origines de la façon suivante. Le roi Ptolémée d'Égypte avait réuni à sa cour 70 ou 72 érudits juifs pour qu'ils traduisent leur livre saint en grec. Il souhaitait par là faire don d'un trésor jusque-là inconnu à la bibliothèque qui faisait sa fierté. Les sages juifs travaillèrent séparément sur l'île de Pharos, en face de port d'Alexandrie, et au bout de 72 jours, ils livrèrent 72 versions identiques de l'écriture hébraïque. Pendant des siècles, ce récit légendaire, rédigé entre le 12e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, a été considéré vrai. Qu'elle soit issue d'un ordre du roi Ragide Ptolémée de Philadelphie, soucieux de connaître les règles et les coutumes de divers peuples vivant dans son royaume, ou qu'elle soit une réponse aux besoins liturgiques de la communauté juive, la traduction en grec de la Torah a dû satisfaire un double intérêt. Avant tout, elle rendait accessibles les lois de cette petite nation aux Grecs devenus curieux des sagesses barbares. Et aussi, elle permettait aux immigrants juifs, ne connaissant plus l'hébreu, de lire leurs textes sacrés dans la langue qu'ils utilisaient désormais dans la vie de tous les jours. La collection tout entière des livres, y compris les écrits qui ne figurent pas dans le canon de la Bible hébraïque, a été la Bible des Juifs hellénophones en Égypte, puis un peu partout en diaspora, dans ce qui était en train de devenir l'Empire romain. Cette affirmation nous amène à nous demander maintenant jusqu'à quelle époque la Septante a été utilisé dans le judaïsme. Troisième point de ma présentation. Nous savons que les premiers traducteurs grecs disposaient des textes hébreux qui différaient plus ou moins de celui qui allait être progressivement normalisé par le judaïsme palestinien. Les manuscrits découverts à Qumran nous confirment cette pluralité textuelle. Cela explique sans doute, en partie, les écarts de la Septante par rapport au texte hébreu reçu et justifie que, très tôt, on se mit en milieu juif à réviser cette Bible née à Alexandrie pour l'aligner sur l'hébreu. Des nouvelles versions grecques, auxquelles s'attachent les noms d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion, ont vu le jour au cours du 12e siècle après Jésus-Christ. Toujours selon la lettre d'Aristée à Philocrate, l'achèvement de la traduction de la Torah en grec fut accueilli par les acclamations de la communauté juive d'Alexandrie, et le philosophe juif Philon d'Alexandrie rapporte que l'événement était chaque année fêté dans l'île de Pharos. Bien que l'on dispose de peu d'informations sur la lecture au cours de célébrations synagogales, la communauté de Qumran, où l'on a retrouvé plusieurs manuscrits de la Septante, montre que même en Palestine, la traduction grecque a eu un bon accueil. Mais de l'instant où cette œuvre juive, écrite par des juifs, pour des juifs, devient l'Ancien Testament des chrétiens, et que le judaïsme rabbinique standardise le texte hébreu qui deviendra plus tard le texte masorétique, la Septante a été abandonnée. Pourtant, l'usage de la langue grecque, lien indispensable entre la Palestine et la diaspora juive, imposa que les nouvelles versions grecques, en particulier celle d'Aquila, soient encore lues dans les synagogues jusqu'au 8e ou 9e siècle. Passons maintenant au quatrième point de ma présentation et arrêtons-nous sur les principales caractéristiques de cette traduction.
Il faut savoir que la septante ne correspond pas à la manière moderne de concevoir une traduction. Les traducteurs n'ont pas reproduit à l'identique ni la syntaxe hébraïque, ni le lexique, ni le rythme qui soutient le sens des phrases. Ainsi, malgré de nombreuses trouvailles dans le choix de bon équivalent, le passage de l'hébreu au grec modifie la forme et le sens du texte. Je propose ici deux exemples. Premier exemple. Il existe en hébreu les divers noms propres pour parler de Dieu, comme le tétragramme imprononçable Yahvé, les formes El, Eloah, Elohim, et les appellations El Shaddai ou Sabaoth. Le grec, quant à lui, banalise ses titres sacrés en employant des termes d'usage courant dans le monde hellénique. Théos, Dieu, un terme issu de la mythologie polythéiste. Kyrios, maître, seigneur. Ou Pantocrator, tout-puissant, un qualificatif que les Grecs appliquaient à Zeus. Deuxième exemple, se référant au texte hébreu d'Isaïe 7,14. Voici que la jeune femme, en hébreu allemand, va être enceinte et va enfanter un fils. Tu lui donneras pour nom Emmanuel. Sans préciser davantage le statut de cette jeune femme. Or, la Septante traduit le mot hébreu allemand par le grec parthénos, vierge. Et l'évangile de Matthieu cite cela en écrivant en grec. Voici la vierge sera enceinte et enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. C'est sur ce passage que l'Église s'appuiera pour la reconnaissance de la virginité de Marie. Comme les livres n'ont pas été traduits à la même époque, ni par les mêmes traducteurs, ni dans le même endroit, la version finale présente des grandes différences d'un livre à l'autre. En conséquence, la Septante est moins une traduction qu'une collection de traductions à l'intérieur d'un même livre, car les traducteurs disposaient de relatives libertés. Pour conclure, j'aimerais évoquer le rôle de la Septante dans la vie de l'Église. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Septante a été la première source de la littérature chrétienne. Dans le Nouveau Testament, les citations de l'Ancien Testament y sont faites selon la Septante, parfois sous une forme révisée, plus proche de l'hébreu. Les grandes affirmations théologiques sur le Dieu unique, sur sa parole, le Verbe, en grec logos, sur son esprit, en grec pneuma, sur le salut apporté aux nations, prennent appui sous des formules de la Septante. L'unité des deux testaments est ainsi établie par l'unité de l'âme. Au cours des quatre premiers siècles, les pères de l'Église, fondateurs des doctrines et de la piété chrétienne, n'ont pas connu d'autre source publique que la Septante. Le plus grand des pères latins, Augustin, utilisait une version latine de la Septante. C'est seulement vers l'an 400 que Jérôme, découvrant les divergences entre cette version et le texte hébreu, proposera une nouvelle traduction faite à partir de l'hébreu, traduction qui sera connue sous le nom de Vulgate. Néanmoins, Jérôme y intègre nombre de livres deutérocanoniques de la Septante, ainsi que certaines particularités, notamment en Isaïe 7,14. Jusqu'au 7e siècle, l'Ancien Testament des Églises chrétiennes est la Septante,
soit sous sa forme originelle, soit dans l'une de ses nombreuses traductions. C'est à l'époque carolingienne que l'hébraïque Veritas de Jérôme l'emporte dans le monde latin, puisque la Vetus Latina, la vieille traduction latine faite sous la Septante, cédera complètement la place à la Vulgate. Pourtant, la Septante garde toute son actualité. Elle est la Bible des Églises orthodoxes en Orient. Elle sert de base pour la traduction des livres deutérocanoniques catholiques. Et sa structure rédactionnelle se reflète toujours dans les livres protestants, malgré le choix du canon hébreu.